Salut les gens, c'est Nosband pour la suite de ce first play sur Jurassic Park Trespasseur, où on va donc affronter le redoutable T-Rex. Si, si, il faut que je retrouve mes touches parce que ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Et ben voilà. Faut que j'arrive à tuer ces foutus vélociraptors de mes deux. Non mais laisse tomber, monsieur le T-Rex là. Oh vas-y, monsieur le T-Rex, t'es trop loin. Ouais, bah t'es gentil, mais tu peux pas venir là. Hein? Bon, qu'est-ce que je fais? J'y vais? Bon, puis merde. On y va. Désolé, monsieur le Vélociraptor, j'ai pas le temps. Tyrannosaurus Rex. They reigned for 25 million years. We grew seven of them. Seven rulers of the island. Mais putain! Mais merde! Eh, mon flingue! Bon, tant pis pour mon flingue. Hein. Ah, j'ai passé le redoutable T-Rex. Il en a plus rien à foutre. C'est une réaction tout à fait logique pour un tyrannosaure. Après tout, hein. Non, c'était 40 km à l'heure. Du coup, il a pris 10 km heure dans ses dents, le T-Rex. Il est bien, hein. Ici. Moi, je dis pourquoi pas, hein. 10 km heure, c'est utile. Hmm. Avec ça, on peut rattraper une Jeep. Enfin, non, on peut pas, parce que dans le film, il arrive pas à rattraper une Jeep. Comme quoi, il était déjà aussi con dans le film que dans le jeu, hein. Quoique dans le jeu, c'est quand même du grand art. Ah bah ça tombe bien. Bon, du coup, je dois faire quoi, là? J'ai complètement oublié. Keep going till I find civilization, I can do this. Ouais. Bon, c'est dangereux, ce truc, là-bas. On verra bien, hein. Après tout, au point où j'en suis. Tellement de bugs dans ce jeu que bientôt je m'attends à voir un stégosaure grimper un arbre. Je sais même pas ce que c'est comme bestiole, ça. Amande. Putain, il n'y a pas assez de cocotiers, il peut pas se planquer dedans. Mais putain, il m'a poursuivi! Et merde! Poursuivi par un T-Rex? Oh, il est pas si con que ça alors! On va te faire foudre, hein. Moi je descends la montagne. Enculé de machin! Et il a tué un de ses potes en plus, pour même pas le bouffer, c'est du gaspillage de nourriture, je dis. Et là, je le reconnais, j'ai été surpris. Et pourquoi la musique change tout d'un coup? Bon, pourquoi Anne se sent obligée de... Ah ouais, très utile tout ça. Mon dieu. Ils ont osé. Non mais comment je jette ce truc déjà? Merde, il faut que j'aille revoir mes touches là parce que... Alors, go, walk forward. Run forward.
F, je crois. Yeah. Ah, tout ça parce qu'il y avait des ossements et une chose militaire. C'est tout. On avait fait cette musique là. On va m'expliquer comment cette Jeep tient ici. Mais bon, faut pas chercher à comprendre, ça vient peut-être du film après tout. Hein. Sachant que c'est un mix des trois, le... Non, un mix du 1 et 2, pardon. Parce que le 3, je crois pas qu'il était déjà sorti, si. Les chuchotements que vous entendez à l'arrière-plan, c'est ma maman qui s'énerve avec son PC. C'est jamais. Non, mais ce machin capture Mars, hein, donc tu peux chuchoter autant que tu veux, on t'entendra même. Là, vous avez pas l'image, mais elle s'énerve. Ah, bref, ça met un peu de fraîcheur durant ce first play qui est, je dois l'avouer, chiant à en crever. On va donc tuer un vélociraptor. Vélociraptor qui se bat. Reviens ici, connard. Non, mais je sais que tu es con, mais viens quand même. Ah, lui, il fait des petits bons pour venir me rejoindre. Cool, de la bouffe. Wouhou. Une balle. Pas mal. Tu veux venir, toi aussi? Oh. Oh là là. Je suis désolé. C'était pas volontaire. Ou pas. Bon, du coup, ça devient un peu chiant, là. La montagne. Je pense que les graphistes en avaient plein le cul, puis ils se sont dit, bah tiens, on va faire un décor de montagne, comme ça on a juste à foutre du gris avec des pixels gros comme mon poing. Et ça ira bien. Et toujours cette espèce de brouillard qui part à l'avant. Oh, et des bugs de texture! Si c'est pas magnifique ça! Ah ouais, on voit à travers le décor. Je vais pas trop passer par là parce que, je sais pas, hein, si la texture disparaît, peut-être mon perso peut passer à travers. On ne sait jamais. D'ailleurs, je suis en train de descendre sur quoi, là? Dans le trou du cul du monde, ou quoi? Non, mais sérieux. Je suis où? Non, mais sérieux. Autant elle est pas foutue de monter des petites pentes, autant des trucs comme ça, mais y a pas de problème, quoi, hein. Et encore des abrutis de vélociraptors là en bas. On ne peut pas se faire chier à y aller. Et c'est toujours ma mère qui s'énerve en arrière-plan. Comment il faut faire les transferts d'un compte à compte? D'un compte à compte. Ça marche pas. C'est-à-dire? Des comptes que je vais solder pour mettre sur les nouveaux ou inversement des nouveaux. Bref. C'est de la merde, ça marche pas. Ça m'énerve, ça me fait chier. Ouais, oh, j'arrive. Non, c'est bon, je coupe. Arrête. Vous avez peut-être déplacé, je coupe, ça m'énerve. Ça marche pas. Pourri, arrêtez. J'ai fini de m'énerver. 3, 2, 1. Ça sera vraiment un grand chose d'avoir de l'e-conking. De quand même devoir aller sur place. That's it. En vrai, quoi. Non mais attends, ils auraient pas pu me fournir une deuxième arme. Non mais hé, hey, oh, tu vas pas rester bloqué par ça, grosse conne, va. On va se protéger avec un simple caillou, comme l'a dit le joueur du grenier, puis voir si ça marche. Eh ben non. Et merde. Eh oui, bonjour. Non mais je suis pas disponible là. Non mais attends. En plus, il faut jouer avec le terrain pourri. Non mais putain!
Oh mais sérieux quoi, merde. Oh putain, mais ils ont pensé que c'était des humains qui allaient jouer. C'est bon, j'ai compris, je suis en train de me faire bouffer, merci. Et bien sûr, j'ai pas re-sauvegardé entre deux. Logique. Là, t'es en train de jouer tout seul? Oui, je suis en train de jouer tout seul. Salut le T-Rex, j'en ai rien à foutre, bouffe-moi de toute façon, au point où j'en suis. Hein? Ça va te faire foutre le Vélociraptor. Moi, je me casse. Ouais, ouais, salut. Bien ce qu'il disait le joueur du grenier, t'es con comme un placard. Hein. Bah bien sûr. Mais putain, mais... Le T-Rex suffisait pas. Fallait rajouter 3 Vélociraptors. Hein? Comme ça, t'es bien sûr de crever dans ce passage de merde. Putain de merde. C'est normal que ce soit dans comme ça pour moi. Pourquoi? Parce que j'arrive pas à charger ma page, là. Alors là, j'en sais rien du tout. Je suis pas en train de pomper de la connexion, moi. 6 rounds. 5. That's it. Tyrannosaurus Rex. Tyrant Lizard. They reigned for 25 million years. Mais c'est bon, arrête de me bouffer en espèce d'enculé de machin! Sauvegarder, pas envie de tout faire moi. Connerie va. And despite what we've been led to believe, the T-Rex was not a scavenger at all. We clocked one at 50 kilometers an hour. Non mais là je suis désolé, il n'y a pas de T-Rex qui me suit, il a débarqué d'où avant l'autre. Et ouais, le bon vieux réflexe de la sauvegarde toutes les 3 putains de secondes. Eh ouais, il me suit, cet enfoiré. Eh putain. Pourquoi tout d'un coup décide-t-il de me suivre? J'en sais rien. Apparemment, ils vivent pacifiquement, hein. Tout le monde sait que les grands herbivores et les T-Rex, ça vit pacifiquement. Oh là là, c'est épique, hein. Oh, le T-Rex amorce une approche vers le joueur qui recule, vers un endroit où le T-Rex ne pourra pas l'atteindre, mon cher Thierry. Oh, on sent le combat des titans, là. Attention, attention. Ou alors, plus fréquemment, le T-Rex a une démarche de... Comment je pourrais dire ça sans être vulgaire? Ben si, le T-Rex a une démarche de gay qui a un valet dans le cul, hein. J'ai pas d'autre mot. Ah ouais, ouais, il faut bien lever les jambes, hein. Une, deux, il fait la parade, c'est bien. Brave bête. Ouais, 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 c'est bon, je connais le principe, hein. Oh, mon dieu, il y a des ossements! Non, sur une île pleine de dinosaures, des ossements, c'est pas normal ça. Attends, qui a eu l'idée de mettre ces ossements ici? C'est un mauvais goût. Puis d'ailleurs, faudra m'expliquer comment vous avez réussi à vous faire bouffer par les dinosaures de cette île tellement ils sont cons. À la limite, pour se rebouffer, faut que l'humain soit plus con que les dinosaures. Et là, bah, oh là là. Ah, je sais pas, c'est comme si les vélociraptors de...
de Jurassic Park 2 ou 3, je sais plus, quand ils entourent. Connard. Quand ils entourent un des personnages, vous savez, c'est avec le coup avec les œufs, quand ils récupèrent les œufs. Ils l'entourent tous, et puis au bout d'un moment, t'as un des vélociraptors qui. Non, non, les gars, j'ai soif là, allons boire un coup, on le garde pour plus tard. Et comme vous le constaterez, j'économise mes munitions, c'est nécessaire dans ce jeu. Putain, mais le chemin prédéfini, mais c'est horrible. C'est ça. Bon, cassez-vous. Qu'est-ce qu'on s'amuse, hein? Mais qu'est-ce qu'on s'amuse, eh? Toujours les mêmes bugs de terre sûre qui reviennent à chaque fois. Alors, entre parenthèses, si le jeu est autant bugué, apparemment, c'est pas la faute au développeur qui était vraiment parti dans l'idée de faire un jeu bon. Mais là, en fait, c'est même pas une bêta qu'on a entre les mains, c'est une alpha limite. C'est-à-dire que DreamWorks Interactive a poussé les développeurs à sortir leur jeu plus vite que prévu, histoire de se faire plein de pognon dessus, et ça nous a donné ça. S'il leur a laissé un peu plus de temps, peut-être qu'on aurait eu droit à un vrai jeu sur Jurassic Park. Parce que là, c'est une vraie blague sur Jurassic Park, hein, concrètement. Enfin. Ça aura fait rire des générations de joueurs, ça... Mais donc, je rêve pas. Avant, il y en a un qui s'est bien tué tout seul. Six rounds. Voilà. En fait, il y a qu'à les laisser faire, et puis ils se puteront tout seul, je suppose, à force. Parce qu'ils ont l'air très très intelligents, hein. On sent qu'il y a du potentiel derrière tout ça. Ouh là là. Ouais, je sais que vous voulez me bouffer, mais... Non mais bouge plus, bouge plus. Bouge plus, je te dis, là t'es trop loin, je vais bousiller des balles pour rien. Ouais, ça vient par ici. Bon, arrête d'être bourré. T'arrêtes de boire avant de venir chasser, parce que là, ça le fait pas. Non mais, sérieux, mais vas-y pour viser ça, quoi, ils sont complètement pétés. Vas-y, je dirige un bras en caoutchouc aussi, c'est pratique. Bon, je crois que je vais simplement descendre. Non mais putain! Tout le temps en train de bouger ces machins, hein. Reviens. Allez, reviens. Je vais pas te faire de mal. Bon, crève. L'autre qui est là derrière, je vais pas m'en inquiéter. Je vais juste me casser, moi. Ici, il va falloir s'en inquiéter. Comme le terrain est tellement bien foutu. What about that?
Non, mais putain, mais... Mais regardez-moi ça! Mais merde, je glisse parce que je prends pas le chemin exact qui a été décrit par les développeurs. Tu dois prendre cette ligne-là précise. Si tu ne le fais pas, tu glisses jusqu'en bas de la falaise. C'est logique. Magnifique pour un jeu d'exploration, si. Bon, par contre... Pas oublier ce genre de petits détails, hein, parce que... Ça peut sauver la vie de temps en temps. Two shots. Seulement deux? Ouais. Suffira. Bon bah je suppose que monter par là. Ah, il m'a suivi jusqu'ici hein, le petit enfoiré là-bas. Ah je dois reconnaître que la persévérance c'est bien, hein, même quand on est con. Alors avant que vous ne criez au plagiat, oui je sais que ça vient du joueur du grenier, je le signale d'ailleurs. Par contre, qu'est-ce qu'on s'amuse, hein? T'as pas d'autres indices? Non, on est plus dans la jungle, là. On est en montagne, à la limite. Mais y'a plus de vélociraptor, là? Ça me semble un peu étrange. Surtout que là, ce serait l'occasion idéale de se ramener. Il me reste plus qu'une balle, hein, comme à chaque fois. Ah ouais, les textures des arbres qui apparaissent quand on s'en approche aussi. Mais même là, on a des armes en 3D, hein, quand même. On a des armes en 3D. Street Gear a pas été foutu de le faire, hein, rappelons-le. Oui, je sais, je trollerai jusqu'à la mort, hein, sur ce sujet. Vous pouvez en être sûr. Alors, attends, il faut que je passe sur la souche, c'est ça? Ouh là là, elle paraît grande. Ah bah si. C'était bien par là. Hein. Pouf, une sauvegarde du point de passage. Non mais j'ai plus assez de munitions, monsieur. Hein. One shot left. Empty. Ça a juste suffi. Bah du coup, ça, comme c'est un coup que j'ai fait absolument par chance, on va re-sauvegarder droit derrière. Je sais, je suis une lopette. Puis on va juste espérer. Espérer trouver des armes. Et pas d'autres vélociraptors. C'est de mon point de vue, il y a un peu trop de vélociraptors et pas assez d'armes. En fait, de mon point de vue, il y a un peu trop de vélociraptors tout court. Hein, les autres dinosaures, on en fait quoi? Non, non, vélociraptor, vélociraptor, vélociraptor. Il y a pas un coup de T-Rex très con. Et Vélociraptor, hein, en fait. Ok, le système de saut est un peu bizarre, mais dès qu'on s'y fait, quoique, là, ça paraît trop haut. Non, même pas. Ouais. Non, ça doit pas être par là, à mon avis. Sûrement par là. Ah, merde. Ah, c'est l'élan.
Oh putain. Allez Anne. Bon, sauvegardons. Oui, ça fait beaucoup de sauvegardes, je sais, et puis merde. Hein. On se répéter cette blague. Eh, ne serait-ce pas un vélociraptor que je vois là-bas au fond? Mais attends. Oh là là! Oh là là, je savais bien. J'ai bien fait de faire ma sauvegarde, non? Alors je dois aller par où? Apparemment, je peux pas me laisser glisser le long de la falaise. Ce qui semble pour une fois logique. Mais je vais pas sauter sur les arbres quand même. Mais attends, c'est bien beau de m'avoir amené là-haut, mais quoi? Descends, grognasse! Ah, d'accord. Ouh là là, il y a un truc bizarre là-bas. Je sais pas ce que c'est. Mais ça a pas l'air très commode. Comment je fais pour use? Feels about half. Ah, c'est génial quand la caméra elle est comme ça, hein. Mais putain, mais... Almost out. Mais... Almost out. Almost out. Almost out. Oui, je sais pas ce que c'était ce truc, mais de toute façon c'est mort. Hein. Ça avait l'air violent. Non mais... Mais c'est de la grosse merde. Non mais hé hey. Vas-y, je dois viser avec ça. Empty. Eh hey, putain, mais merde. Allez, on se casse. Non mais super quoi. Vas-y. Le super brin au caoutchouc d'âne. Jure. Connerie. Non mais lâche-moi toi. Laissez-moi monter, merde!
t'ai pas demandé. Merci. Je rêve ou il y a quelque chose là-haut? Je veux aller dans cette cabane de merde là. Cassez-vous les caisses. Hasn't been used. Ah bah putain. That's it. Eh bah dégage alors si t'as dit. Feels full. Mais le mal que j'ai eu à atteindre une cabane en bois, ça. Oh là là. C'est impressionnant. Oh, il est sur des pixels. Il y a des gros pixels, hein. On se calme, mon gros. D'ailleurs, t'es vachement gros, toi, je trouve. Problème de proportion? Non, mais attends, c'est un cul-de-sac? Powerline. C'est pas le Powerline, c'est pas le groupe dans Dingo et Max. Powerline. Ah d'accord, faut suivre les lignes. J'ai pas vu qu'il y avait des lignes. On va les suivre joyeusement. En évitant les redoutables Velociraptors. Redoutables. Un de mes pets est plus redoutable qu'un Velociraptor dans ce jeu. Ouais, bah vous êtes gentil avec vos Powerline, hein, mais... Bon, on va aller suivre dans ce sens-là. Pas comme si on avait trop de choix. Non mais toi, je t'ai rien demandé, fous-moi la paix. It's half gone. Monsieur veut se battre? It was about half. Nearly empty. Putain mais... Fous de ma gueule! Tu peux fermer ta gueule, Amon. Far away, I could hear a G-Vengeling. Mais putain. Poursuivi de tous les côtés. Bien sûr, c'est clair, c'est énorme hein, comme pente. Ouais, franchement, je compatis, hein. Feels full. Bordel. Allez, hop, une petite sauvegarde. Puis dès que j'atteins la civilisation. Enfin, on va s'arrêter là parce que là. C'est carrément chiant. Et puis bon, j'ai autant de motivation qu'une huître, donc forcément. Ça joue un peu sur mon envie. On suit le truc, hein.
We released the first raptor on April 22nd, 1985. It wandered back and forth near the wall for 4 minutes and 22 seconds before hearing a noise which drew it further off into the brush. Je dirais qu'on va continuer à avancer, hein, sans se préoccuper des raptors qui nous courent après. Encore ce qui se fait de mieux. By 1987, the first of them had reached full size. The ecosystem of another era began to reassert itself. You have mail. Ouais, ouais. I have mail, ben, tant pis. In the jungle, the forest, and the mountain, three raptor tribes staked out territory. Albatrosaurs and 7 T-Rex chose their dominions. 7 T-Rex, pas voyant. Uneasy borders drawn around forests, bridges, and ponds. Eh ben, tu sais quoi, mon... Je vais réduire la population des raptors, moi. Not all the original species survived. In the end, only a few adjusted to the new world. Became dominant. Half gone. Eh ouais, petit enfoiré, l'humanité gagne toujours. Apprends ça dans ta vie. Oh là là. Mais joie et volupté. J'aurais dû garder mon poignet le jour où j'ai acheté ce jeu, moi. Bon, super, on atteint la, entre guillemets, civilisation. C'est quoi ça? C'est trop de pixels là-bas. Showers, coffee, air conditioning. Almost there. Ouais, rêve. Bah. C'est ça qu'il faut faire. Mais... T'es bloqué par quoi, grognasse? Je vais réessayer. Aïe, on a atteint la civilisation. Houhou. Bon bah je vais m'arrêter là parce que c'est chiant, hein, quand même. Franchement, il y a des limites au jeu chiant, et bah là, ma limite, elle est atteinte, hein. C'est carrément emmerdant. J'ai attendu, je crois que j'ai pas encore atteint tout à fait la civilisation, faut encore que je trouve le moyen de rentrer. Bon, ça devrait pas être trop dur, mais... La porte est ouverte. Non, elle peut pas choper la porte. Burrows. We are walking the future. Security system. Looks like that's still active. Ouais, c'est marrant. Deux secondes. C'est marrant, deux secondes. Voilà. Mais pas plus. 8 shots. Et je suis obligé de garder mon arme en main maintenant parce que cette connasse peut pas garder ranger ses deux armes. Ah si. Ah bah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, c'était la bonne surprise, ça. Mon arme qui disparaît entre chaque niveau. C'était bien, ça, hein. Par contre, les dinosaures, eux, ils disparaissent pas. Il y a un tuyau.
Eh ben ça démarre bien. Tu parles d'une civilisation. Eh si toi. Ah ça fait mal à la tête hein, une balle en pleine tête, je peux comprendre. Mais reviens, 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 ça va pas te faire de mal. Ah si, ça va peut-être te faire un peu mal, mais tu vas rien sentir. Pour leur avoir envie, pourquoi? Eh regarde, je suis une proie. Une proie magnifique. Je te tente pas? Bon, viens ici, arrête de reculer, abruti. T'es un vélociraptor, merde. T'es pas une biche effarouchée. Oh, puis la petite musique, là. Il passait où, le vélociraptor? J'avais un vélociraptor devant les yeux, il y a 2 secondes. Bon, tu peux venir te faire buter, maintenant. S'il te plaît. J'ai pas toute la nuit. Non, mais il te faut combien de balles dans la tête? Ben voilà. Dans le cul. Youha! Là là là. Ah, c'est con, t'arrives pas à me choper. Ah bah si, t'arrives. Bon, je fais quoi? Je me laisse tuer pour la fin. Allez, allez. Bon appétit. Ah bah non, en fait, il était juste bourré, en fait. Je crois qu'il m'a tué par erreur. Ça doit être ça, en fait. Non mais viens pas me bouffer, surtout, enfoiré. Ah non, non, il te tue, et puis... non, mais en fait, j'avais pas faim, hein. Je vais le garder pour plus tard, y a pas un frigo dans le coin. Magnifique, les vélociraptors de cette île. Enfin, voilà, bref, les gens, moi, je vous dis ciao, hein. À une prochaine. Puis, de toute façon, la consternation continuera dans la prochaine partie, hein. Allez, à plus.